Prêt à ouvrir le capot? Ma clé 12 pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les ampoules Bulk utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Pour prolonger la durée de vie des ampoules, on te conseille de ne jamais toucher le verre avec tes doigts ou sinon, de bien les nettoyer avec de l'essuie-tout avant de les remettre. Pour accéder aux ampoules de phare arrière et les remplacer, il est nécessaire d'ouvrir le coffre du véhicule et de sortir tout le bloc phare. Ouvre le coffre, retire la trappe d'accès à l'intérieur. Tu peux t'aider d'un tournevis. Repère le papillon en plastique qui maintient le feu. Dévisse-le en tournant dans le sens antihoraire. Puis, retire la connectique d'alimentation en t'aidant d'un tournevis plat assez fin pour faire levier sur la languette de maintien. Extrais le bloc phare en le tirant vers toi. Retire la platine support d'ampoule en écartant les languettes des ergots de maintien. Chaque ampoule se retire de la même façon. Tire simplement dessus. Munis-toi des nouvelles ampoules. Pour le montage, réalise l'opération inverse. Remets la platine en la positionnant dans le bon sens et en appuyant simplement dessus. Repose le feu dans son emplacement. Réinsère la connectique électrique. Revisse le papillon et bloque-le à la main. Referme la trappe d'accès. Salut! Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire. Pour remplacer les ampoules positionnées dans le haillon, déclipse le cache en plastique. Tu peux t'aider d'un tournevis. Puis, retire la connectique d'alimentation en t'aidant d'un tournevis plat assez fin pour faire levier sur la languette de maintien. Retire la platine support d'ampoule en écartant les languettes des ergots de maintien. Chaque ampoule se retire de la même façon. Tire simplement dessus. Munis-toi des nouvelles ampoules. Pour le montage, réalise l'opération inverse. Remets la platine en la positionnant dans le bon sens et en appuyant simplement dessus. Réinsère la connectique électrique. Remets le cache plastique. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool.